Pour connaître une chose à l'anglais, à la langue anglaise, c'est que malgré toutes les dépendances qu'elle a par rapport au français, notamment au niveau lexical, elle a trouvé une certaine musicalité qui lui est propre. Et le même mot prononcé à la française et à l'anglaise ne s'entend pas de la même manière, il faut reconnaître cela. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, le métalangage consiste à prononcer autrement les choses. Façon de diversifier et à la fois de caractériser au sein d'un groupe. On dit voilà, celui-là, on le reconnaît. Et alors, effectivement, on reconnaît l'anglais quand on l'entend. Mais ça n'empêche pas qu'il est dépendu, il continuera à dépendre de la langue française. Alors, se pose le rôle de l'État. Moi, je pense qu'à l'avenir, puisque l'État a des engagements budgétaires, de toute façon, à couvrir, il a besoin de ressources. Et je dis que l'État français, notamment, doit pouvoir obtenir des ressources en raison de la langue française, dans des conditions que j'ai déjà exposées longuement. Mais si l'État n'engage pas un débat à ce sujet, c'est très regrettable. Parce que c'est une ressource majeure de la France, de la culture française. Cet État, comme j'ai dit dans une vidéo hier, il s'inscrit dans le temps et pas dans l'espace. C'est-à-dire que le temps existe et puis l'espace, il est là. De toute façon, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec cet état, dans le temps, enfin, dépend de cet état, à un titre ou à un autre. Donc, moi, je revendique la nécessité pour l'État français de se faire payer au tarif le plus intéressant, l'utilisation systématique des mots français, notamment en anglais. Il ne s'agit pas de revenir sur des dettes antérieures, nécessairement, quoique ça serait possible, mais il s'agit de revenir sur ce qui est l'état des choses actuelles et d'en tirer toutes les conséquences économiques.